Hey, salut tous les amis, c'est Daniel, la page Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, c'est Alexandre, ça va super, aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vais vous parler de mon chat Sphinx, ma petite omelette qui est là, qui faisait une petite sieste comme d'habitude à côté de son maître. Voilà mon petit chat, vous le savez, vous l'avez déjà vu en vidéo, c'est un chat sans poils, voilà, c'est une race de Sphinx. Et je vous ai fait une vidéo où je vous ai tout expliqué. Bref mes amis, aujourd'hui on va parler du premier accident qu'a eu ma petite pupuce d'amour, ma petite omelette hein, qui a que 4-5 mois, c'est encore un petit bébé tout mignon, regardez là cette petite fille. Bref mes amis, peut-être que vous avez vu sur mon Instagram, il y a eu un accident. Je vous ai tout filmé en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, je vais vous expliquer et vous aurez tout de suite les images de mon Instagram. Voici ma vie super cool de youtubeur. Voilà, ramasser les lampes cassées en mettant, il y a du liquide partout, je comprends rien du tout. Voilà, super en tout cas. Voilà, et c'est la petite blessure à la main qui fait plaisir. Voilà, la vie d'un youtubeur, excellent en tout cas. Ouais. Ouais, c'est de la farge aspirateur. Ça fait grave plaisir en tout cas. Franchement, ouais, je suis refait en tout cas. Ouais. Super activité, mon activité préférée. Ah, franchement, super soirée. Super soirée. Et la vie reprend son cours. Omelette va encore faire des futures bêtises. Je devrais vous faire tous les jours en fait des stories de toutes ces fucking conneries parce qu'elle en fait vraiment pas mal. Ah ouais, les débris sont là dedans, Omelette. Hein, c'est bien, ouais, tu sens bien ta bêtise que tu as mis à l'intérieur. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Omelette a fait tomber une lampe, sauf que cette lampe, mes amis, c'était pas n'importe quoi comme lampe, ce sont des éclairages spéciaux, etc., etc. Et cette lampe a explosé, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de fumée qui s'est dégagé partout, avec des morceaux de verre partout. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup de personnes demandent des nouvelles de mon chat, et c'est vrai que je fais moins en moins de vidéos. C'est normal, mes amis, l'été, tout ça, je revois ma famille, et je fais tout ce que je peux, croyez-moi. Et bref, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup me demandent des nouvelles, David, on n'a plus de nouvelles, etc. Donc je vais vous dire toute la vérité parce qu'il n'y a pas eu que ça comme accident avec cette petite fille. Il y en a eu plusieurs. Bref, pour finir sur cet accident, mes amis, parce que ça arrive, c'est un petit chat, elle grandit, elle commence à bouger partout, etc. Elle est toute mignonne, hein. C'est vrai que c'est ma petite pupuce, je vous le cache pas. Qui c'est qui a été blessé dans cette histoire? C'est pas Omelette. Première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai enfermé dans ma chambre. J'ai vérifié s'il n'y avait pas de morceaux de verre incrustés dans la peau ou dans ses petites papates, tout simplement. Il n'y avait rien. Sauf que dans cette histoire, c'est moi qui ai pris cher. En fait, j'avais les mains en sang. Donc, surtout ma main gauche, tout simplement. J'ai des petites griffures un peu partout. Je pense pas que vous allez les voir. Mais j'avais la main en sang, en fait, tout simplement. Moi, je me suis pris plein d'éclats. En fait, j'étais sur le canapé juste à côté. La lampe est tombée et ça a fait une espèce d'explosion. Vraiment une implosion, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est vraiment un bruit assez sourd. Bref. Du coup, j'ai enfermé le chat et j'ai nettoyé tous les verres, etc. Et le seul blessé dans cette histoire, c'est moi. Et tant mieux que ça soit pas mon petit chat d'amour, ma petite fifi que j'aime après tout et qui aime bien qu'on se... Et franchement, que j'adore comment elle se laisse faire, etc. Voilà. Donc, mes amis, ça fait maintenant un peu plus d'un mois que j'ai mon petit chat Sphinx. Et donc, pour vous dire à peu près la situation, mais écoutez, on n'a jamais été autant si proche avec mon petit chat. C'est-à-dire... Alors, commencez pas à détourner les phrases. Bah tout simplement mes amis, bah écoutez voilà, dès que je rentre elle m'attend à la porte. Et maintenant elle dort sur mon lit avec son petit truc. Elle se couche en même temps que moi, elle se lève en même temps que moi. Tant que je ne me lève pas du lit, elle reste dans le lit. Dès que je sors de la chambre, elle sort de la chambre. Voilà, et puis maintenant j'essaie de lui apprendre des petits tours. Parce qu'on peut apprendre des petits tours à ce genre de petit chat tout mignon. Oh ma fille, voilà, tout mignon. Maintenant elle communique avec moi, je sais très bien ce qu'elle veut quoi. Quoi elle meule, etc. Quoi elle se met là-bas, par exemple, dans l'angle de la cuisine. De toute façon, je vais vous filmer un petit peu. Quoi elle se met dans l'angle là-bas, c'est qu'elle veut de l'eau. Donc, je vais voir, c'est il n'y a plus d'eau. Donc, je lui en donne. Quoi elle se met là-haut et qu'elle miaule, c'est qu'elle veut jouer. Donc, du coup, je joue un peu avec elle. J'ai des balles de ping-pong, etc. Et du coup, mes amis, voilà, c'est une vidéo spéciale sur mon 5, vous l'aurez deviné. Voilà. Mes amis, maintenant, je vais prendre la caméra dans les mains et je vais vous filmer les autres petits accidents qu'il y a eu et vous expliquer un petit peu. Voilà. Mes amis, j'ai la caméra. Alors. Du coup, je vais vous filmer le reste des accidents parce que, écoutez, moi j'appelle ça des accidents parce que voilà, comme vous le savez, mes amis, je loue cet appartement et je n'avais pas forcément le droit d'avoir des animaux. La propriétaire m'a laissé sa confiance et de toute façon, je lui ai dit que si quelque chose était abîmé dans l'appartement, je lui rembourserais, ce qui est normal. Dans le tiroir là-bas, donc ici, dans ce tiroir ici, là, et bien écoutez, mes amis, il y a les prix de tous les meubles de l'appartement. Voilà. Au cas où je fais une bêtise, comme ça je serai directement pour combien j'en ai. Et je me suis engagé à tout rembourser. Bref. Du coup, moi, avec voilà, moi, tout simplement, j'ai installé un petit plaid ici. Donc un plaid, c'est quoi? C'est une espèce de petite couverture en coton, enfin en laine, où la chatte peut dormir tranquillement, voilà, s'amuser, etc. J'ai même installé par ici un énorme trépied. Un énorme trépied, pouf. Un énorme jouet, un arbre à chat tout simplement. Un énorme arbre à chat qui fait 1m80 pour qu'elle fasse ses griffes.
pour qu'elle fasse ses griffes, voyez, pour qu'elle joue avec les petites souris, etc. et qu'elle se pose tranquillement pour dormir. Sauf que bien évidemment, mes amis, c'est un chat. Et vous savez, les chats, mes amis, bon, voilà, généralement quand tu leur mets un arbre à chat, ils ne vont pas dans l'arbre à chat. Quand tu leur mets un truc pour faire leurs griffes, ils ne font pas les griffes dessus. Les chats, c'est bien plus que ça. Ils vont faire tout le contraire. Ils vont faire tout le contraire. Et donc du coup, voilà, le premier vrai petit accident qu'il y a eu dans l'appartement, c'est ça. Voilà, c'est ici le fauteuil arraché de partout. Voilà, partout. Ici. Et en fait, elle faisait tout le temps ses griffes ici. Maintenant, j'ai mis une protection. Voilà, à chaque fois qu'elle fait une bêtise, je la punis comme il le faut, tout simplement. Je fais les choses dans les règles pour qu'elle comprenne ce qu'il faut pas faire. Et donc du coup, voilà, je vais avoir ce magnifique fauteuil Ikea remboursé d'une valeur de 1 800 €, parce qu'en fait c'est un ensemble avec ce canapé. Et ce canapé pour l'instant n'a rien, n'a strictement rien. Voilà, bon, à part des petites taches que j'enlèverai, voilà, parce que parfois je mange ici, des petites traces de pas, voilà, rien. Non, là c'est un petit tableau que je peux pas vous montrer pour le moment, mais enfin bref. Voilà, donc ça c'était vraiment le premier accident, et c'est quelque chose de, bah, d'assez grave, hein, simplement parce que bah, c'est une énorme somme. Je vais pas vous cacher que voilà, je suis en PLS, tout le canapé est déchiré, mais c'est pas grave, écoutez, moi j'en prends la responsabilité. Quand tu prends un animal, forcément ça peut se passer comme ça, c'est entre parenthèses normal. Donc je vais vous montrer son petit coin, c'est vrai que là c'est un peu le bordel, je vais pas vous cacher. Regardez là, alors ça c'est incroyable ce chat, parce que là actuellement il fait 35 degrés, et où elle se met? En plein soleil! En plein soleil! Et là, elle va retourner sur son plaid, faire sa petite sieste. Regardez-la. Oh, comment elle est mignonne! T'aimes bien quand je te filme, Omelette, hein? Oui. Regardez-la. Oh, ma fille! Mon petit cœur à moi. Oh, là, c'est les caresses. Oh, ma fille. Oh, là. Qu'est-ce qu'on ferait sans les caresses, Omelette, hein? Ouais, elle s'appelle Omelette pour l'année des hauts. Tout simplement, on va pas revenir là-dessus. Regardez-la. Ouh, qui c'est qui va dormir? Ouh, c'est toi. Voilà. Donc bref, du coup, mes amis, on va avancer dans l'appartement. Tac, donc ça c'est le trépied. Voilà la télé. Et donc là, c'est son coin à elle. Bon, c'est ma cuisine aussi. Bref, du coup, voici le coin d'Omelette. Donc là, c'est son ancien truc muscle, d'ailleurs, faudrait que je nettoie. Bref, ici, c'est son coin pour manger. Manger, son activité préférée, c'est manger. Voilà, donc c'est sa gamelle d'eau. Elle a un énorme bol de croquettes ici, au cas où je pars toute l'après-midi, etc. Ça, c'est sa ration pour la journée en général. C'est vrai qu'elle mange énormément. Et là, c'est des petites croquettes au cas où, si ça se renverse, s'il y a un truc machin, etc. Et ça, c'est sa gamelle d'eau. Bien sûr que je change 2 ou 3 fois par jour, où je mets de l'eau fraîche, j'enlève les insectes, etc. Voilà, donc là, c'est ses litières, ces trucs, etc. Et ça, c'est son coin litière que je nettoie Tous les jours, je nettoie ces coins litières qui, voilà, depuis ce matin, donc là, il est 16h quand je tourne la vidéo, depuis ce matin, voilà ce qui se passe quand Omelette va aux toilettes, hein, parce qu'une litière, c'est là où elle fait ses besoins, tout simplement. Voilà. Magnifique. En tout cas, merci Omelette, hein, de foutre tout ce bordel. Voilà, bref. Donc du coup, mes amis, autre accident que j'aimerais bien éviter et que j'ai extrêmement peur. Je me réveille la nuit des fois. Parfois, je rentre plus tôt de mes soirées, etc. Parce qu'en fait, je ferme mes fenêtres, vous voyez. Je ferme mes fenêtres. Vous savez, regardez, je vais vous montrer la vue. Mes fenêtres, mes amis, je suis au 3e étage. Et tout simplement, au 3e étage, si le chat tombe, c'est la panique. Et en fait, elle meurt. Hein. Tout simplement, je vais pas vous cacher, elle meurt. Voilà. Et donc, du coup, mes amis, je ferme toujours les fenêtres. Je ferme en permanence les fenêtres, etc. Sauf qu'un jour, et là, c'est là que j'ai eu extrêmement peur. J'ai le doigt sur le truc. Sauf qu'un jour, j'ai eu extrêmement peur, mes amis. Voilà, j'ai des toilettes ici. Avec des fenêtres qu'il faut que je surveille en permanence. Et encore pire que ça, vous n'allez pas très bien me voir, mais c'est pas grave, j'ai une salle de bain comme ça. Voilà, une salle de bain, c'est là que je prends mes douches, etc. Et là, vous savez, il y a une espèce, c'est une douche à l'italienne en fait, donc il y a un petit banc avec tous mes shampoings, mes trucs, et là il y a un petit banc, et en fait il y a la fenêtre directement à côté. Et en fait, moi j'ai une femme de ménage qui vient 2 ou 3 fois par semaine, quand je commande sur une application, qui vient faire le ménage, etc., et qui, bon bah, pour aérer avec les produits chimiques, etc., pour pas qu'il y ait l'odeur, machin, etc., ouvre les fenêtres, ce qui est normal. Sauf une fois, mes amis, il y a la femme de ménage qui est passée. Voilà, j'ai entièrement confiance en cette femme de ménage, de toute façon je range mes affaires, etc. Et ça s'est toujours bien passé, ça fait 10 de fois que je les prends, il n'y a rien. Du coup, il restait environ 1 heure de prestation de la femme de ménage.
Et cette femme de ménage, mes amis, je lui dis, voilà, écoutez, vous pouvez partir, laisser les clés devant la porte, moi j'ai ma paire de clés, le chat est à la maison, vous pouvez partir, je ne serai pas là, je serai en rendez-vous professionnel. Je vais boire un verre avec des amis. Voilà, bref, je faisais genre, parce que bon, sinon je ne dois pas partir. Voilà, bref, j'étais en rendez-vous professionnel. Et du coup, je vais boire un verre, etc. Donc je vois à l'heure, donc on va dire qu'elle devait partir à 18h, elle part à 18h. Et là, 18h30, j'ai un tic dans ma tête, je dis, mais attends, j'ai laissé Omelette toute seule après que la femme de ménage soit passée. Sachant qu'Omelette, je ne l'enferme jamais, parce qu'elle n'aime pas être enfermée. Regardez, elle est là-bas, elle me regarde, hein, elle est là-bas. Ouais, ma fée, oui. Et donc, du coup, j'étais avec mes potes, situation extrêmement conne, mais c'est vrai, j'ai commandé directement un Uber, en fait, à 18h30. Je dis, je reviens, les gars, j'ai commandé un Uber, j'ai mis 20 minutes à arriver. Et là, je vais, quand j'ai directement couru, j'ai fait Omelette, je fais Omelette, t'es où? Comme d'habitude, elle se met dans sa cachette préférée, hein. Sa cachette préférée, c'est ici, mes amis. Hein. Elle se met derrière les livebox, parce qu'ici, en fait, les livebox font un ventilo chaud. Et même quand il fait 35 fucking degrés, le chat se met au chaud. Bref, je rentre en courant, elle était cachée, et là, je disais, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la fête était ouverte là, mais que la porte était fermée et je remercie ma femme de ménage. Bref, mes amis, cet accident, j'espère qu'il n'y aura jamais lieu. Après, je vais pas vous cacher Omelette. Voilà, on va parler d'autre chose. Bon, ça, c'est le con, je tourne des vidéos. Comme vous le savez, j'ai reçu plein de cartes Pokémon. Je veux faire les ouvertures, mes amis. Il faut juste que je trouve le temps et aussi la motivation. Voilà. Tac, tac, tac. Omelette a déjà fait tomber cette plante avec de la terre partout. Mais c'est pas tout, ma petite Omelette. Omelette. Omelette, mes amis, adore aussi cette plante qu'elle a déjà fait tomber deux fois. Qui se porte pas très bien avec la chaleur d'ailleurs, hein. ça me dérange un peu, regardez ça, elle perd toutes ses... Tristesse, elle perd toutes ses feuilles d'ailleurs. Tant pis, mais bon bref, voilà. Omelette qui adore faire tomber des plantes. Là, c'est des cartons que je reçois, mes amis, pour écouter toutes les vidéos, quand je m'achète des paires de trucs, des machins, des... Voilà, vous voyez, j'ai plein de cartons, etc., que je descends une ou deux fois par semaine. Sauf que Omelette adore jouer avec. Et qui sait, une fois, ma fille. Ouais, je parle de toi. Ouais, c'est toi que je parle. Fais la maline là avec tes beaux yeux bleus. Oh, ma fille. Oh là 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 là, c'est dur la vie de chat. Et donc, une fois, je rentre. Et qui sait, je vois bloqué sous les cartons. C'était elle. Bloqué sous les cartons, en train de miauler. J'ai directement couru. J'ai enlevé les cartons, mes amis. Et après, j'ai examiné si elle avait mal quelque part, donc je touchais un petit peu partout son corps, hein, pour savoir si elle avait mal aux pattes ou quoi que ce soit. Et j'ai été l'emmener aux urgences vétérinaires, parce qu'on sait jamais, c'est à force de... Tu sais pas, c'est un petit chat, donc nous ça nous ferait rien, mais eux je ne sais pas. Et donc du coup, je l'ai emmené aux urgences vétérinaires et elle n'avait strictement rien. Bref, voilà mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous raconte un peu, un petit peu toutes les histoires sur mon chat, vous avez un petit peu les vidéos. Je trouve que c'est un petit peu fun de vous faire une petite vidéo, voilà, sympathique, en parlant de mon chat sphinx, de petite Omelette. Voilà mes amis, comme vous avez pu voir en fin de vidéo, je vous montre toujours des petits trucs qui n'ont rien à voir avec la vidéo, mais j'ai plein de displays de la nouvelle série de cartes Pokémon, j'ai les trailer box, etc. Normalement, ça devrait sortir sur la chaîne YouTube, mes amis. Voilà, bref, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes content de revoir des nouvelles de ma petite Omelette. Et là-dessus, mes amis, je vous fais plein de bisous. On va se mettre quand même à la lumière. Je vous fais plein de bisous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.